Chef Minusta, M. Edmond Mulet, poursuit série visite la fait sous terrain. C'est comme ça, jour quitté 22 mai 2010 là, l'Italien dans le département Satlan. L'elle arrivé plateau central, délégation a fait un coup de pied à l'un camp déplacé qui dans la zone. Environ un millier victimes de tremblement de terre de janvier à vivre dans le camp Sayo. Là, même gens ak dans l'autre camp, sinistré yo gen problème de l'eau potable, manger à crise inondation. Bon, nous avons de l'eau pour nous boire. Nous avons de l'eau même. Même de l'eau pour nous boire, nous avons pas de facile. Quand yo, l'Italie rencontre l'autorité de l'église ak responsable politique dans le département. Objectif Chita Palia, c'était pour expliquer aux autorités locales que chaque citoyen doit jouer partition pâle dans la reconstruction du pays. Ça qui t'a pu marquer déplacement chef mission Nations Unies, c'est l'elle t'a visité projet Frère Armand, yon membre de la congrégation catholique qui frère accès incarnation yo. Frère Armand mettait campé un projet agriculture dans la localité Pandiassou. Dans la zone, nan, chef ministre a rencontré tout étudiant l'école formation dans l'entrepreneuriat yo. Dans l'école ça, 150 jeunes a recevoir formation pratique qui dirait 2 ans dans plusieurs domaines qui gain pour ouais avec développement rural. Les défis pour le pays sont énormes et surtout pour les jeunes comme vous. Vous avez devant vous, enfin, tout votre futur et vous devez vous préparer maintenant pour assumer vos responsabilités comme futur leader du pays à tous les niveaux. Visite là, t'as continué sous chantier cette formation hein, qui a préparé. Minusta baille $25,000 américains pour faire travail réhabilitation sa yo. Cette langue est un atelier qui est bien équipé. Ils ont utilisé atelier ça pour transformer produits agricoles. C'est pas seulement l'agriculture, mais c'est la production, la transformation, la labellisation, la vente des produits faits par les producteurs eux-mêmes. Alors je crois que si ce projet, ce modèle peut être développé partout dans le pays, ça va réellement transformer Haïti. Plateau central gagne un pile ressources dans le domaine de la pêche. Ils ont construit plusieurs lacs dans la zone ça pour faire élevage poisson et légumes. Frère Armand, certain que le pays a profité de ressources Sayo. Je pense que c'est une chance unique que nous avons aujourd'hui, que le monde est présent en Haïti. C'est l'occasion pour tous les Haïtiens de se mettre ensemble, de dégager un espace où nous pouvons nous entendre aujourd'hui pour essayer de profiter de toutes les potentialités et de toute cette chance que nous avons aujourd'hui. Développement rural, c'est pour tout mettre en stabilité. C'est un moyen pays pauvre qu'a utilisé pour soutenir la misère. Grâce à l'exploitation ressources agricoles plateau central, Haïti a vu un grand monde tête li dans affaire la manjaille.